Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la société de Diamond Painting, Yves Broderie Diamond, qui m'a envoyé une toile en partenariat. Donc la boîte, c'est pas la bonne boîte. Ils ont mis là-dedans, mais c'est pas... Il n'y a pas le dessin et c'est pas du 5D. Je ne me trompe pas. Donc c'est une 30-40. J'en attends une autre aussi. Ben, je crois que ça. On va vérifier. 35-40. Hop. Voilà. On a la feuille de route pour cocher les diamants à tous les dents. D'abord, excusez-moi, il n'y a pas le dessin. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une 30-40, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un. Une tasse de café avec un bouquet de fleurs et du café. Non, les fleurs. Pour mettre dans une cuisine. Donc, on a déjà la toile. Elle ne peut pas voir. Mais elle est. Elle est toute brillante. On va voir si ça colle bien. Ouais, ça colle bien. Et on a les paillettes. Les paillettes sur la toile. Nous avons 23 couleurs. Et le dessin. Donc, en panoramique, ça change. J'en ai pas beaucoup dans ce sens-là. La toile, bonne qualité derrière. On a des symboles et des chiffres. Symboles. Les diamants, c'est dans des sachets zippés, ça c'est bien. Ouverture. Hop. Et même le chassel, l'ouverture est panoramique. Original. Alors, le tout petit. Alors, dedans, il y a une petite carte pour expliquer comment on le fait. Et derrière, c'est pour signaler s'il y a un souci. Hein? Le toolkit. Alors, on a un stylet avec la mousse, ça c'est bien. Un multifaceur. Pas combien on a, perso, j'utilise jamais. On a un morceau de double face. On a un pain de colle aussi à l'horizontale et la barquette ouverte. Personnellement, moi j'aime pas, je préfère les vertes qui ferment. Ce souci, c'est quand vous secouez un petit peu pour bien étaler, bah, tout s'en va.
Mais j'en ai ça. Donc, comme je vous disais, on a aussi une fin. Celles-là, elles sont bien. Hop. Métal. Mais costaud. Avec des petits bouchons de protection. Vaut mieux. Là. Ça, c'est le tout kiff. Je vais vous montrer les diamants. Donc, quand je vous disais, ils sont en... dans les sachets du kiff. Alors, vous voyez, sachet zippé. Donc, c'est des ronds. J'avais demandé des ronds. Et vous avez la référence, le numéro et le nombre de grammes. Donc, par exemple, celle-là, c'est la 950. Ouais. Puis, juste, c'est le numéro qui est en hashtag. 950, c'est la couleur. Voilà. Donc 18, c'est 950. Donc c'est un couleur chère. Il y a un intrus dedans. Un peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a. Hop. Une couleur marron, on va dire. Café. On a un gris. Ça fait plutôt bleuté, mais il est plutôt gris. Un marron plus foncé. On va dire caramel. On a un rouge. Le rouge, il va où? X. Sur les fleurs. Un autre gris. Il y a différents. Ouais, il est foncé. Un autre marron. On a deux verts. J'adore qu'il y a des couleurs du rouge, du jaune. Orange. Du orange. Il n'est pas aussi flash. Un autre marron. Un vert. On va dire un vert sapin. Il est foncé. Un jaune vanille. Ils ont tellement été écrasés, les sachets. On se remet combien après. Ensuite, on a encore un gris. Un gris vert. Je ne sais pas si ça dit. Ouais, plutôt. Un kaki. Oula. Là, il y en a du jaune. Donc, le jaune, c'est le vin. F. Ah oui, c'est toutes les petites fleurs. Un autre orange. Le vert, c'est pour les feuilles des fleurs. Un bleu. Bleu vert. Un marron. Alors, attends. Le... je regarde le dessin. Le 14. Ouais. Le fond a différentes couleurs. Il est plutôt dans les marrons clairs. Un marron clair.
un vieux rose. Tu as Edouard. Il est parmi les petites sœurs. 12. Ouais, parmi. C'est un mélange, un mix en fait. Un Bordeaux. Lui, il va dans les fleurs aussi. Et un noir. Il y a un intrus aussi. Un noir. C'est pas le même noir. C'est un gris noir. C'est pas le vrai noir. Donc voilà, il y a 23 couleurs. En tout cas, merci beaucoup à Yves Broderie Diamant. Toujours aussi de toiles qui sont toujours aussi de bonne qualité. Et franchement, j'adore. On se voit une fois fait, il sera offert pour mettre dans une cuisine. C'est pourquoi j'ai choisi cette toile. Donc voilà, 34. Voilà, bah merci encore à Yves Broderie Diamant. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et il faut que je leur demande qu'ils m'envoient le lien de la toile. Je ne l'ai pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.